Salut les boss. Comment allez-vous les boss de la route en ce jour? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez l'occasion de faire de la moto, que vous prévoyez des voyages, des sorties, des road trips, parce que ce n'est que du bonheur, vous le savez. J'en profite pour remercier les abonnés, tous ceux qui commentent à chaque fois toutes les vidéos. Voilà, c'est un pur bonheur et j'essaie de vous répondre, vous le savez, et ça me fait plaisir. Voilà, en tout cas de vous lire et de pouvoir comme ça encore vous répondre. Alors pour les non-abonnés, parce que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne, cliquez sur le petit bouton en bas à droite, c'est gratuit, vous me ferez plaisir, et puis vous, après, rien ne vous engage à regarder les vidéos si le titre et la miniature déjà ne vous plaît pas, que le sujet ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas contraint à regarder, je ne vous oblige en rien et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas les amis, ça me fera vraiment plaisir, et puis n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Je vais vous trouver un petit chemin dans les champs, quelque chose comme ça. Et puis je vais en profiter pour vous montrer les petits changements qu'il y a eu sur sur le char d'assaut. On va appeler ça comme ça, sur le tank. Je vous parlerai des petites choses qu'il y a eu en plus depuis l'année dernière. En tout cas, vous n'hésiterez pas de me laisser en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Beaucoup de choses ont été mises, non pas que pour la protection, mais aussi pour l'esthétique. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, donc s'il vous plaît, soyez courtois en commentaire. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais restez courtois s'il vous plaît, comme moi je le suis avec vous, je pense. Dans tous les cas, c'est très très agréable. 14 degrés, nous sommes, je le rappelle, au mois de mars. 14 degrés à 18h10. Alors si je devais faire encore un petit bilan, hein, un petit bilan de la machine, eh bien je ne vais pas dire le contraire, j'en suis toujours follement satisfait. Je vais rebondir aussi sur le fait qu'on me dise en commentaire par moment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, lorsque j'essaye d'autres machines ou que je mets un peu en avant avec des photos la machine. Oui, l'esthétique, on aime ou on n'aime pas, encore une fois, c'est très particulier, je peux l'admettre, et je l'admets d'ailleurs, et c'est ce qui fait aussi qu'on ne voit pas que cette machine partout, déjà qu'on en voit beaucoup, mais je suis le premier à dire que cette moto n'est pas parfaite, les amis, elle n'est pas parfaite, elle est chère, et il faut jouer de la boîte de vitesse qui des fois claque, voilà, il y a quelques bruits, c'est ce que j'aime en fait, j'aime cette rugosité de pilotage, j'aime le couple de la moto, voilà, parce que ça tire les bras. Et c'est ce que j'aime quoi dans une moto, j'aime pas la fluidité quand c'est trop lisse, vous voyez. J'aime bien un peu ce côté manichéen de la bête. Et puis regardez-moi ça. Alors on peut en profiter les amis avec n'importe quelle moto. C'est pas parce que j'ai une BMW R1250 GS Adventure que je profite plus que quelqu'un qui aurait une machine de 20 ans ou 25 ans. Regardez-moi ça, le travail qu'il y a devant nous avec le soleil qui se couche. Et donc c'est pour ça que la moto, je rebondis là-dessus, mais c'est vraiment important les amis. C'est vraiment quelque chose, on vit les choses différemment, vraiment quoi. Alors je reviens aussi sur cette propension qu'ont certaines personnes à dénigrer toutes les autres motos qui ne seraient pas la leur, sous couvert que c'est la leur, c'est la meilleure. Mais les gens entendent ce qu'ils veulent bien entendre. Les gens, ne vous énervez pas, je fais que tester des petites machines comme ça. Je donne mon avis, mais après, mes discours ne sont pas d'évangile, on le sait. De toute façon, tu l'as eu qu'une heure, c'est pas possible, tu peux pas te faire une idée. Oui, je le dis, c'est un essai. C'est pas un essai professionnel, hein. Moi je suis pas un pro les gars, hein. Je suis j'ai un métier. Ma passion c'est la moto, c'est le voyage avant tout. Bon, ma passion c'est le voyage avant la moto. Maintenant, le voyage à moto, ça c'est le summum. Et puis là, on va passer le village, après je vais m'arrêter. Un vélo cette machine, un vélo les amis, vraiment, un vélo de 270 kg quoi. Avec ce que je lui ai rajouté dessus, on va dire que c'est ça quoi. Avec le bonhomme dessus, on est entre 355 et 360 kg. Vous voyez, donc c'est pas anodin tout ça, c'est pas anodin. Comme ça, vous savez à peu près combien je pèse les amis, si vous êtes bon en calcul. Là, il n'y a même pas besoin d'être bon quoi, c'est assez facile à faire. Je fais 87 kg pour 1m83. Voilà, comme ça, vous savez tout. Voilà, comme ça, je parle un peu de moi aussi. De temps en temps, ça fait pas de mal. Je vais prendre par là. Voilà. Je vais m'arrêter ici, je pense. Voilà. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Comme par hasard, quoi. Eh. Bon.
Alors, comment, les amis? Alors, les amis, eh bien, c'est reparti. Donc, je vous montre la bête. Ça, vous aviez déjà vu. Protège phare avant. On aime ou on n'aime pas, je suis complètement d'accord avec vous. Donc ensuite, petite personnalisation de la moto, avec mon nom sur le côté, ça vous aviez déjà vu, mais je vous montre quand même. Ça, ça a été changé. C'est maintenant fumé au lieu de transparent, pour suivre avec ben, les protections ici de Parma. En plus, les spoilers. Et la bulle, vous le savez, qui est toujours présente. Hein. Bulle AliExpress, un an, plus d'un an après, toujours présente. Pas de soucis, pas de renfort et ça vibre pas. Donc comme ça, on a vraiment une composition déflecteur ici plastique. Protège et bulles qui sont eh bien fumées toutes les trois. Voilà, bon, ça c'est vraiment de l'esthétique. Et de toute façon, vous allez voir que beaucoup de choses sont pour l'esthétique. Protection Temerzite, anti-vol TFT, donc je le rappelle hein, ici, avec attaché par derrière, ici, vous connaissez le système. Ici, petite protection, voilà, ça c'est vraiment esthétique aussi. Donc c'est du plus bel effet, moi j'aime bien. Du AliExpress aussi, les protections donc de bocaux. Embrayage et frein. Pour le prix, franchement, ça va. C'est pas parfait, parfait, mais la découpe au laser. Mais franchement, c'est très, très bien. Vous voyez, ça fait le taf, quoi. Alors, quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Donc, la selle confort. Alors, je referai peut-être un retour un petit peu plus important sur une prochaine vidéo. Une selle confort noire. Et ici, vous voyez, c'est écrit Baxter. Donc, c'est vraiment beaucoup plus moelleux. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas à dire. Et puis esthétiquement, il n'y a pas photo, moi j'aime bien. Le but, c'était de rendre les choses un peu plus noires, aussi sur la moto. La selle Baxter, et d'ailleurs, vous allez le voir ici, eh bien, les écopes latérales, donc droite et gauche, donc qui sont ici, hein, je vous le rappelle, vous voyez, ont été repeintes. Par mes soins, donc je vais vous montrer en même temps ce que j'ai utilisé comme peinture. Donc on va faire une petite pause maintenant, voilà, je vous montre. Alors les amis, après le ponçage, le dégraissant, enfin le nettoyage, dégraissant. Moi j'utilise cette marque là, Biotech, Onyx, c'est bon pour tout. Hein. Ensuite, l'époxy, l'après, donc la marque Spraymax, très bonne marque. Ensuite, le noir, ni trop brillant, ni trop mat, juste ce qu'il faut. Et ensuite, du très très bon vernis, vous voyez, avec la petite capsule à percuter en dessous pour le durcisseur. Donc on va mettre deux couches d'après. Petit ponçage très 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 léger, ensuite renettoyage, ensuite on mettra deux ou trois couches de noir, je vais lire exactement sur la bombe, et ensuite on finira par deux couches de vernis. Alors la bombe de vernis, c'est de la 2K, donc dès que c'est utilisé, on a certains laps de temps, après il faut la jeter hein, malheureusement. Avec les frais de port, on en a pour une cinquantaine de balles à peu près. J'en profite pour vous montrer, regardez la buse, cette particularité de pouvoir être orientable ici. Vous voyez, on peut choisir un jet horizontal ou en le tournant là, voilà, vertical. Bon, là, je ne peux pas le faire avec une main. Au-dessus, il y a également ces réglables pour plus ou moins élargir le jet. Ça, c'est quand même vraiment pratique. Donc, j'ai regardé, c'est 3 minutes entre les deux couches. C'est vraiment très rapide à 20 degrés. Hein. Donc, s'il fait un peu moins, vous attendez un petit peu plus. Pour le papier de verre, c'est du Spectrum, la marque Action. Donc, j'ai commencé au 240. Ensuite le 400, et j'ai fini au 800, et le 800 c'est ce que je termine, je reprendrai pour mouiller après la couche d'après. Voilà, donc Spectrum, vous voyez, c'est un kit comme ça, chez Action, c'est pas trop trop cher et ça marche très très bien, pour poncer ça va très bien. Alors pour la pièce de peinture, eh bien ça c'est au fond de mon garage au niveau de la porte. Vous voyez, j'ai mis du film partout, je l'ai rendu la plus hermétique possible aux poussières, et puis bah, je vais pendre les pièces ici là, je vais vous montrer. Le fil électrique, hein. Donc on va bien mélanger la bombe, je vais pas vous le filmer ça parce que je veux pas faire de bêtises. Et on commence toujours à donner des coups hein, dans le vide, et on commence toujours jamais sur la pièce pour pas faire des pâtés. Donc on commence voilà, vraiment tout doucement par coups, et comme ça on n'en met pas trop. Donc je vais mettre un masque, des gants, changer de tenue et puis let's go. Dernière petite chose les amis, 18 c'est bien, hein, 18-20 degrés minimum. Donc comme j'ai 15 dans le garage, c'est un peu frais. Petit chauffage, je l'ai lancé une heure avant, là comme ça je suis quasiment en température. La température c'est important aussi. Hein. A few minutes later. Bon les amis, ça y est, première couche, regardez. Vraiment super facile à poser. Pff, voilà, ça m'a pris quoi, 3 minutes pour les deux pièces, à peine, même pas. Après ce sera fonction de la préparation aussi de votre pièce, mais c'est vraiment très bien. Donc voilà les amis, les deux couches d'après sont posées. Bon les amis, voilà, première couche de noir. Poser, c'est super simple à poser, vraiment faut y aller tout doucement,
Il n'y a pas de pâté, ça. C'est une accroche superbe. Et dans 10 minutes, je pose la seconde couche. Bon, voilà les amis. Là, j'ai mis 3 vraiment fines couches. Après, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, en plus, il est tard. Et je vais laisser bien sécher. Et demain, je m'attaquerai au vernis. Je ferai exactement le même principe. Et là, vraiment, le vernis, c'est ce qui va tout changer. Alors, donc, je rentrerai les pièces à température un petit peu plus élevée, hein, où c'est tempéré. Et puis, demain, comme ça, on repartira avec une pièce bien en forme. Voilà, donc on en revient maintenant. Donc, vous voyez ici les copes de l'autre côté. Enfin, vraiment pas compliqué à démonter tout ça. C'est vraiment très, très simple. Et je suis très, très, très satisfait du résultat. Alors, toujours chez Temerzite, c'est écrit d'ailleurs, on a la protection basse du moteur. Je vous montre aussi la comparaison par rapport à l'ancien que j'ai gardé, pas beaucoup plus enveloppant. Et puis, les protections latérales de crash bar aussi. Ils sont très simples à monter. Et c'est vraiment très épais. Hein. Vous pouvez y aller, c'est vraiment du costaud. Vous voyez, je vous montre. Hein. Avec des vides d'air pour laisser, pour pas que ça chauffe trop. Pareil pour en dessous. Non, c'est vraiment très bien. Donc ensuite, ça vous aviez vu, la protège plastique ici, du cadre. Les petits bouchons que j'avais rajoutés, ici, et puis là-bas à l'intérieur. L'extension ici, de crash bar que j'avais rajouté aussi. Protection de valve ici. Protection aussi du bocal ici. Tout en noir à chaque fois. Vous avez vu, j'ai remis maintenant les porte-valises que je n'avais pas au début, mais je les ai fini par les remettre parce que maintenant j'ai le système avec les valises John Ryder pour l'éclipser automatiquement, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc de l'autre côté, bah, là on a donc protection plus pour le cardan. À l'intérieur, vous vous souvenez, on avait rajouté la petite bavette à l'intérieur pour protéger des projections. Donc de l'autre côté, bon, on va avoir exactement la même chose. Hein. Sans souci. Là en dessous le petit sac où dedans il y a juste le gilet jaune et un paquet de mouchoirs, voilà, je ne mets pas grand chose dedans. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez hein, sur, en commentaire, ce que vous pensez de la bête comme ça, surtout avec les écopes en noir. N'hésitez pas si vous avez des questions, pas de soucis, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Alors aussi latéralement, je vais mettre mon doigt dessus pour pas que vous voyez la plaque, le porte-assurance, beaucoup m'ont demandé où je le mettais, ben, moi je le mets là, vous voyez. Au départ je pensais que ça allait être temporaire, mais finalement ça reste de là. Que j'ai pas trouvé d'autres endroits plus adéquats. Alors je vous montre hein, pour de plus près vraiment pour ceux qui veulent voir. Et puis j'ai déjà lavé, il n'y a pas de problème, hein, c'est vraiment de la bonne peinture. Alors extension ici, aussi je ne vous ai pas montré. Petite protection en plus ici que j'avais mis au départ pour la boîte de vitesse là-bas en bas. Les protections ici à l'intérieur, radiateur. Protection clignotant, ça vous avez vu, avant arrière, d'accord, ça vous l'aviez déjà vu aussi. Petite barre ici en plus, donc en métal, hein, pour protéger en plus des chocs au cas où. Et voilà la bête, les amis. C'est pas une vidéo exceptionnelle, c'est film à la main le soir en rentrant du travail. Mais je vous avais promis de vous montrer la bête. Donc la selle en noir au lieu de gris, bon la selle est plus haute, j'en parlerai. Hein. Un tout petit peu plus haute, puisque beaucoup plus épaisse, beaucoup plus moelleuse. Du coup on est au moins 3 cm de plus, 3-4, mais pas de problème avec mon 1m83, ça touche toujours, et la selle est en position haute, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus maniable à piloter, je le mets au maximum. Et voilà les amis, c'était la bête, je vous l'ai présentée, et puis bah là il est 19h, on va se rentrer tout doucement, on est dans les champs, le temps d'entrer il me reste 10 minutes, n'hésitez pas tout de suite à vous lancer dans les commentaires pendant la route du retour, je vous dis au revoir pendant le chemin. En tout cas, voilà la bête qui m'accompagne et qui va encore m'accompagner pour mes futurs voyages. J'espère qu'elle vous plaît. Et puis, bah, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à l'expliquer dans les commentaires. Je ne vous en voudrais pas. Voilà les amis. Allez, ciao. Voilà les amis. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel hein, dans les modifications, on est d'accord. Bon, je compte sur vous, les amis, les abonnés, ceux qui vont s'abonner. Pour participer en commentaire, on va faire un petit jeu en un mot ou deux, allez à la limite, ou un nom composé. Dites-moi comment vous appelleriez ma moto si c'était la vôtre. Alors le char d'assaut, vous voyez, enfin voilà, pas un mot trop long non plus, assez court, voir un petit peu vos idées. Voilà les amis, allez, je compte sur vous en commentaire. Je vous dis à bientôt. Moi, je vous retrouve eh bien toujours avec la bête, toujours avec The Beast, la badass.
portez-vous bien, faites de la moto, vous le savez, pas n'importe comment, ride safe. Et puis moi je vous laisse avec ce soleil, cette journée qui se termine, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en record avec des partages. On est plein à vous faire, j'ai plein de kiff à partager avec vous. Sachez que je vous remercie encore beaucoup pour la chaîne. On continue, on signe, on change rien, je reste comme je suis, et puis je pense que tout va rouler, les amis. Allez, je vous dis à bientôt, petit pouce bleu, like ou dislike en fonction de vos envies, et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye les boss.